Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Lokiz, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur GTA 5 Online, donc pour un nouveau glitch en 1.37, donc voilà, donc je vous montre bien la version de GTA Online. Donc, on est bien en 1.37, et donc tout simplement, aujourd'hui, je vais vous montrer comment rouler dans son garage. Donc, pour commencer, il vous faudra aller dans le menu d'interaction et changer le point d'apparition, donc tout simplement, le mettre dans le garage vous voulez rouler. Donc une fois que vous avez mis le point d'apparition, donc comme moi sur la vidéo, dans le garage où vous voulez rouler, il faudra tout simplement rentrer donc dans votre véhicule. Voilà, donc vous rentrez dans votre véhicule et vous sortez du garage. Une fois que vous êtes sorti du garage, il faudra tout simplement faire un demi-tour et re-rentrer dans le garage le plus rapidement possible, donc comme moi dans la vidéo. Et une fois que vous êtes dans la cinématique, faire option en ligne et trouver une nouvelle session. Voilà. Donc là, normalement, théoriquement, vous allez vous retrouver donc dans les airs pour un chargement d'une nouvelle session. Donc on va juste attendre que le chargement se termine. Et voilà, donc une fois que GTA a trouvé une nouvelle session, donc il faudra tout simplement se diriger vers votre véhicule, donc n'importe quel véhicule où vous voulez rouler dans votre garage. Il y a juste une contrainte sur ce glitch, c'est que vous ne pourrez pas faire de marche arrière, donc faites vraiment gaffe à ce que vous faites, ne foncez pas partout. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao.